changé dans le métier de mécanicien aujourd'hui, c'est qu'avant tout, il y a beaucoup d'électronique. Il y a beaucoup de pannes liées à l'électronique. Et aujourd'hui, on se dirige de plus en plus vers les véhicules 100% électriques. On perd le métier de mécanicien, on s'oriente plus vers l'électricien. Je suis fier d'être ici, fier de mon parcours parce que j'ai pas eu un parcours facile en tant qu'apprenti. C'est bonne ambiance en fait. On se lève le matin, on est content de venir travailler. On est beaucoup sur la communication et beaucoup d'entraide aussi. On est vraiment sur une vraie relation d'équipe. On fait de la mécanique, de la carrosserie, du diagnostic, de la recherche de panne et surtout de la maintenance. La maintenance de véhicules, ça me plaît beaucoup parce qu'on travaille sur nos véhicules à nous. Et comme ce n'est pas des véhicules clients, on s'y entre guillemets attache. Et puis on sait ce qu'on fait dessus, il y a un vrai suivi. J'ai eu beaucoup de formations liées notamment aux véhicules électriques. Aujourd'hui, on est complètement habilité à chercher des pannes et à remplacer des composants sur les véhicules électriques. Pour quelqu'un qui postule chez Keolis, je lui dirais d'avant tout d'être motivé parce que la mécanique, il faut suivre. Aujourd'hui, on est aux véhicules électriques et il faut s'adapter. J'ai recommandé l'entreprise à un ami et à mon frère également qui m'a conduit dans la mécanique. C'est grâce à lui que j'en suis là aujourd'hui. J'aimerais, dans un premier temps, si possible, être chef d'équipe. Et puis pourquoi pas responsable d'atelier un peu plus tard.